Salut à tous, une des dernières vidéos de la saison avant de passer à Pro Cycling Manager 2022 avec donc cette équipe Gazprom. On avait en ligne de mire le Tour de France. Pourquoi? Parce qu'en fait on venait de terminer ce Giro et c'est ce que je vais proposer, cette séquence là entre les deux tours. Ici on va voir qu'il va se passer quelques petites choses. Retour sur le Giro très très rapidement, en tout cas pour signaler encore une fois la qualité du variant proposé par Léon 40. Tous les variants Léon 40 sont toujours très bons, enfin toujours. Voilà, j'en connais aucun qui soit pas très intéressant. On avait eu Jumbo Visma qui montrait les dents, puis c'est Higuita qui a commencé à prendre le classement général sur deux victoires, notamment, hein, deux victoires très méritées, vous le voyez ici en rose. Des étapes de transition entre où les sprinteurs. On a vu passer Iwan, on a vu passer Merlier. Là, c'était Nitsolo, bientôt Christophe. Bref, tout le monde prend la sienne. Et c'est presque sur le milieu de Giro qu'on va comme ça faire la diff avec quelques bonnes opérations. Avec donc Rodionov par-ci, ça c'est pour le maillot Azzurro, qui sera bien bien consolidé au soir de l'étape 11, déjà. Et puis, l'étape 12, crucial avec cette prise de pouvoir pour Attila Walter qui s'impose et prend le maillot rose à ce moment-là. Et on se dit que c'est bien embarqué. Il va rester à contrôler par la suite. En tout cas, chaque étape aura été intéressante à jouer. Et il y aura eu toujours voilà, une vraie course. Le seul bémol, mais celui-ci n'est pas dû au variant. Hein. Le seul bémol, toujours le même, c'est que depuis quelques années, sur Pro Cycling Manager, on n'a pas les empoignades qu'on pouvait avoir sur le Giro auparavant. Voilà, c'est la seule chose. Il y a eu un moment de frisson quand Miguel Angel Lopez reprend 3 minutes à tout le monde. Et heureusement, le lendemain, Attila Walter clôt l'affaire et s'impose avant de laisser des échappés aller au bout. Ici, c'est Michael Bierg qui va chercher son étape. Finalement, UAE aura été pas mal sur ce Giro, mais en tant que chasseuse d'étape, le contre-la-montre de l'étape 20 ne remettra rien en question avant que Yves Lampaert ne vienne conclure, après une jolie séquence de pavés sur l'étape 21, miam miam. Vraiment, c'était un super Giro. Alors, la période de transition entre Giro et Tour de France, pour moi, c'est essentiellement dans cette partie-là, essentiellement le Dauphiné qu'on va voir dans un instant et le Tour de Suisse avec normalement le préchauffage pour certains qui doivent jouer un rôle dans les semaines à venir. On a évidemment partagé l'équipe plus ou moins en deux, hein, puisque donc même en trois pour être précis, c'est-à-dire que vous avez tous ceux qui ont été sur le Giro, ils se reposent, puis après le reste des coureurs et partagé en deux pour Dauphiné, Tour de Suisse. Je fais assez souvent ça. Et puis ça commence du côté du Tour du Dauphiné, pardon. Ça commence avec un petit contre-la-montre très très court, hein, vraiment un prologue de quelques kilomètres, mais essentiellement en montée, avec de beaux pourcentages par endroit. Bref, un exercice assez sympa. Enfin, sympa. Si on n'a pas pour ambition de gagner, parce que là, je me suis fait complètement plier hein, avec mon équipe, mais c'est pas bien grave. On vise déjà une petite victoire d'étape, ce serait fabuleux. Et puis, vous voyez que je n'ai pas emmené mon sprinter, Pesek, le Tchèque, parce qu'il lui, il va être sur le Tour de Suisse. Lutsenko n'est pas là non plus, parce qu'il va aussi essayer de jouer un petit placement au général sur le Tour de Suisse. Le leader naturel ici, alors qu'on aperçoit Tish Benoot chez Jumbo Visma, ça me donne des frissons. J'ai envie de jouer avec Tish Benoot, ça me manque. Gianni Moscone en leader, hein, bien sûr, ici, sur le Dauphiné. Allez, on termine sur la barre. Gianni Moscone est un peu bon partout, mais il n'est excellent presque nulle part, si peut-être en pavé. Ce qui fait que allez, Van Aert qui s'arrache ici à la Philippe qui en termine. Il y a pas mal de stars hein, présentes sur ce Dauphiné. Globalement, le plateau du Dauphiné est sur ce coup-là supérieur
au plateau de coureurs sur le Tour de Suisse. On voit défiler les gros noms, les uns après les autres. Pogacar est là. Et c'est Carapaz, mine de rien, qui s'est imposé sur ce prologue. Mais c'est excessivement serré. Il y a comme ça une vingtaine de coureurs en moins de 20, qui se tiennent en moins de 25 secondes. Donc absolument rien de fait, surtout que ce Dauphiné doit pouvoir se jouer, a priori, sur la fin de Dauphiné, hein. Ça va se jouer à la fin, sur les étapes 6, 7, 8. Ce qui veut dire que les étapes de départ sont vraiment pour la chauffe, hein, comme on pourrait dire, pour se chauffer et puis pour essayer d'en prendre une. Alors, il est bien délicat, et tant mieux. Moi, j'apprécie en vérité d'avoir du mal avec cette équipe-là. Ça me fait du bien d'avoir de la difficulté avec cette équipe. Et c'est le cas, rassurons-nous. C'est le cas ici, puisque sur une étape comme celle-ci, je n'ai pas grand monde qui peut espérer s'imposer au sprint, d'une part, et qui peut espérer non plus faire aboutir une échappée. Quand vous voyez un petit peu le profil de la fin d'étape, 50 derniers kilomètres, on se dit bien que on va pas avoir un grand rôle à jouer. Alors, est-ce que ça va être vérifié ou pas? Est-ce qu'on va réussir à sortir en petit filou pour essayer de gratter une victoire d'étape? Bah écoutez, ça va être délicat, mais on va essayer de sprinter pour se placer. Gogel, Tadic, Kovi sont parmi ceux qui vont le plus vite chez nous, et c'est Arnaud Démare? Eh bien non. Peter Sagan qui coiffe Arnaud Démare sur la ligne devant Jake Stewart. Et on voit que Van Aert fait les sprints. Colbrelli, Degenkolb, Bettiol, Sam Bennett, grand battu. Parce que vu le plateau, il pouvait aspirer à être un petit peu au-dessus de cela. Voilà. Exercice de sprint. Très délicat. Mais j'adore finalement jouer avec des équipes qui sont. Qui prennent difficilement des victoires. Ouais, Sagan est chez Astana dans cette partie-là. C'est amusant. Allez, le classement général n'a pour ainsi dire pas bougé. Et on a une petite arrivée on va dire, après une difficulté, hein, après une petite difficulté ici, sur cette étape 3. Donc il faut essayer de résister au maximum pour essayer de se placer au général. À la base, un top 10 me plairait beaucoup. Un top 10 pour Moscone sur ce Dauphiné me plairait énormément. C'est loin d'être gagné, mais c'est peut-être faisable. On va voir. C'est l'occasion aussi, sur des courses où il y a moins d'enjeux, bah, non seulement de faire jouer un rôle intéressant à des gars qu'on verra un petit peu moins sur les grosses courses, ou qu'on a un petit peu moins vu dans le calendrier. Sur les courses qui ont précédé, comme Nekrassov, de voir Konstantinov également, le jeune russe ici, de voir également comment exploiter la valeur de quelqu'un comme Alessandro Kovi, de ce jeune serbe fort intéressant, Tadic. Bref, toujours ces petites choses. Il y a aussi Gogel, hein, qui, si on peut avoir une opportunité, il faut pas s'en priver. Bon, ça sprint énormément. Sur la toute fin, on va peut-être subir une cassure. Non, ça va. Regardez, comme les coureurs arrivent tous de manière relativement groupée, on ne payera pas l'addition. Ici, victoire d'Alaphilippe devant Van Aert et Søren Kristensen. Et Moscon arrive, vous voyez, dans un tempo. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu tous ces coureurs entre, il aurait pu se manger 30 secondes dans la figure, mais ce ne sera pas le cas ici. On voit Carapace a souffert en cette fin d'étape. Donc Alaphilippe, vraiment nettement, hein, ici, très très bien emmené. Il avait pris une bonne roue, je crois. Il avait pris une bonne roue parce qu'il n'y avait plus des masses d'équipiers de Quick-Step envoyé. J'ai aussi changé le maillot dans cette partie-là. Quick-Step Alpha Vinyl. Pas changé forcément tous les noms non plus, hein. Il y a un petit De Koning Quick-Step qui traîne. Bon, voilà. On va pas se mettre martel en tête. Ah, Philippe qui fait une saison un peu compliquée. Mine de rien, n'est-il pas en train de se faire supplanter, ben, terrain par terrain, par des coureurs qui sont peut-être un petit peu plus spécialisés ou alors carrément mutanesques?
C'est-à-dire que dès que c'est vallonné, parce que normalement ça force, c'est arrivé en côte, etc., type flèche wallonne, il y a quand même pas mal de candidats pour essayer de le battre. Et surtout s'il y a des erreurs tactiques du style attaque de trop loin par le jeu. Donc à ce moment-là, Alaphilippe peut un petit peu s'épuiser. Et puis après, sur terrain montagneux, a priori, c'est vraiment pas pour lui, parce qu'en face, c'est trop fort. Et que la note de montagne a un vrai impact, ce qu'on verra un petit peu plus loin sur ce Dauphiné. Donc ça laisse finalement quelques opportunités de prendre des victoires, mais pas des masses non plus. Et c'est peut-être ce qui explique. En plus, moi, je suis dans le registre un petit peu puncher avec Lutsenko, ce qui fait que quand parfois Alaphilippe pourrait les prendre sur la saison ou les saisons passées, hein, c'est peut-être nous qui pouvons essayer de lui piquer ses victoires. Donc, au final, il ne fait pas bon être puncher face à des punchers, face à une équipe de punchers. Je me suis inspiré en fait quelque part un peu à part la présence de Pécheck, hein, mais si je regarde un peu sur cette partie, alors qu'ici en fin d'étape on essaye d'y aller avec Vinkovic, on lui a préparé le terrain. Allez Vinkovic, là c'est mon autre espoir serbe, celui-là aussi hein, mériterait d'être poussé un petit peu plus loin, parce qu'on voit à quel point ce type peut être complet. Peut-être qu'à l'arrivée, quelqu'un comme Vinkovic peut avoir un meilleur avenir que quelqu'un comme Tadic, qui pourtant a déjà des notes un peu plus spectaculaires, mais dans quelques disciplines, alors que Vinkovic s'annonce comme étant hyper complet sur tout un tas de notes qui comptent énormément. Allez, on essaye, en cette fin d'étape, d'y aller à fond, à fond, à fond, on va sprinter. Regardez, ça va être malheureusement un petit peu insuffisant. Moscon n'y arrivera pas, Arnaud Démare revient trop tard, c'est Fabio Felline qui s'impose. Et donc, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à prendre notre étape. Ici, ouais, je m'étais un peu inspiré dans l'esprit, hein, sur une équipe que j'adore, que j'ai vraiment une tendresse pour cette équipe Astana depuis des années et des années, en vérité. Et en fait, Astana, c'est vrai, c'est une équipe qui fonctionne quasiment sans sprinter, on peut le dire. Et je trouve ça assez amusant. C'est vrai qu'à part le recrutement de ce jeune Pécheck l'année qui avait précédé, on verra Pécheck sur la Suisse, je l'ai déjà dit, j'aimais bien l'idée de ne pas posséder trop un très bon sprinter, un trop bon sprinter en tout cas, pour pas me retrouver trop facile pour aller chercher les victoires d'étape. C'est aussi le budget, hein, l'intérêt du budget qui est contraint, qui fait que on se retrouve à devoir vraiment se débrouiller, mais sans que ce soit vraiment très facile, quoi. Hein. Donc c'est vrai que c'est un type de partie sur lequel j'ai aucun regret, parce que c'était assez sympa. Après, qu'est-ce que je prendrais? Est-ce qu'on restera sur le même mode ou est-ce qu'on va changer de mode pour le prochain PCM? Au moment où je vous parle, je n'ai strictement pas la moindre idée de l'équipe que je vais prendre. Je sais très bien quelles équipes je ne prendrai jamais, mais je ne sais pas du tout sur quelle équipe je vais m'arrêter. On verra. On verra bien. Ça va dépendre un peu de mon feeling au moment de recevoir le jeu. Allez, allez, on sprint. C'est parti, Tadic. Peut-être emballage final là pour lui. Non, allez. À un moment donné, il est resté scotché derrière Démare, mais c'est normal, il avait plus de barres rouges. Et c'est Sagan qui en prend une deuxième, devant cette fois-ci Mats Pedersen. A noter encore la bonne forme de Degen Kolb, puisque ça fait deux fois qu'il est top 5 ou quasiment pour la précédente. Donc intéressant, intéressant. Plateau de sprinter correctement relevé. On va voir qu'au niveau des leaders, par contre, c'est irrespirable. Et en Suisse, ce sera pas vraiment le cas. Ce qui nous laissera peut-être une opportunité pour Lutsenko, sait-on jamais. Allez, Carapaz tient encore le général à ce moment-là. Et je spoil un peu, ça risque d'évoluer. Ça risque d'évoluer. Mais il se passe un truc là, vous savez, on est un peu avant le Tour de Suisse, puis il y a ce gros prize du canton de d'Argo. Là, évidemment, moi je simule, vous voyez, je simule. Parce que je ne veux pas la jouer en plus, on est sur un variant factice, enfin bref. Donc on simule bien évidemment, c'est des jours de course qui sont nécessaires à Lutsenko
pour pouvoir préparer son pic. Tiens, Lutsenko n'a pas performé en simulation, ça peut arriver. Ben non, regardez. Abandon. Et là, abandon, dans la tête, il y a les warnings qui commencent à retentir, hein. Alerte générale, blessure, entorse du poignet pour Alexei Lutsenko, avec en plus une période, vous voyez, avec des hachures rouges là qu'on aperçoit ici dans l'écran général, mais pour la sous-partie qui est dans les courses à venir, hein, dans les programmes. Catastrophe totale, blessure de Lutsenko. Alors peut-être catastrophe que à 95%, puisqu'il sera quand même a priori remis pour le Tour de France. Mais catastrophe absolue, entorse du poignet, fin juin. On va donc être à court de jours de course pour Alexei Lutsenko. On va donc avoir un pic qui va être fatalement décalé. Il va lui falloir environ 13 jours de Tour de France, 13 étapes, pour déclencher son pic. Bon, c'est donc en fait un drame à ce moment-là qui me tombe sur la figure. Il y avait déjà un vrai défi à aller aborder ce Tour de France avec Lutsenko, parce qu'a priori j'avais prévu de le remettre leader après sa victoire l'année précédente. Et puis simplement on allait l'aider avec les gars que vous voyez à l'écran. Il y avait même Walter qui doublait Giro Tour de France pour aider Lutsenko, pour jouer un maillot à poids par exemple. Bon bah là c'est la catastrophe. Catastrophe totale. Tous les plans tombent à l'eau. Je retire donc un de mes coureurs sur le Dauphiné, le petit russe, la Constantinov, parce que je vais vite le recycler pour avoir 7 coureurs sur la Suisse, vu que je tiens absolument à reposer mes coureurs du Giro, sous peine de faire exploser leur fatigue et limite de commencer déjà à gâcher la suite de la saison. Alors même si je ne la fais pas, mais au moins toujours agir, j'essaie toujours d'agir en partant du principe que ça continue en fait, toujours. Et si ça continuait, ben j'aurais besoin d'un vrai pic pour tous ceux qui ont besoin de se reposer. Donc, hors de question d'aller en Suisse après être allé sur le Giro pour la majorité, pour les plus forts. Et du coup, nécessité de se priver d'un équipier sur le Dauphiné. Alors, de me dire, ouais, de toute façon, qu'est-ce que tu peux vraiment ambitionner pour quelqu'un comme Vinkovic, pour Nekrasov, pour Tadic? Vont-ils être en mesure d'aider Moscone à sauver tout ce qui peut l'être? C'est la question, hein. C'est toute la question. Après, en plus, on est sur une période où les formes du jour sont forcément assez moyennes, étant donné qu'on n'est pas du tout sous pic, hein, c'est pas la période qu'on vise. Donc on est là vraiment à jouer un peu au hasard, hein, on tire une forme au hasard à chaque fois, à chaque étape du Dauphiné. Là, on voit qu'on a eu le plus 1. Déjà, c'est mieux plus 1 que moins 1, hein. Et donc essayer de survivre dans, voilà, cette dernière ascension. On y arrive, moins de 5 km à présent, avec de bons pourcentages. Vous voyez, on avoisine les 9%. Ça va monter encore un petit peu. On se rapproche des 10% ici. J'essaie de rester aux avant-postes avec Kovi, qui va maintenant passer en protection de Gianni Moscone, lequel Gianni Moscone dispose encore d'une certaine barre, hein. Il y a encore peut-être quelque chose à faire, oui, sauf que dans les 3 dernières bornes, ça peut se vider très rapidement. Vous voyez, il y a Wout van Aert aussi qui est encore présent, ce qui veut dire que on n'est pas sur une montée qui est excessivement sélective, même si Van Aert commencerait presque à reculer de quelques crans, à l'image aussi de Warren Barguil qui vient limite de disparaître. J'ai pris une roue, je vous laisse imaginer laquelle, c'est Charman. Mais en fait, ouais, ça se passe pas génialement bien. Non, c'était Pogacar la roue. Et Charman a démarré. Pogacar le suit. Et c'est Charman qui va s'imposer. Et Moscone va remarquablement résister puisqu'il va franchir la ligne en quatrième position. Alors, quatrième position devant Evenepoel, devant Gegenhardt, devant Roglic, avec un vrai écart de temps, par exemple, sur Carthy, voire même Masnada, qui peut prétendre à de belles choses, on ne sait jamais, même si Evenepoel est son leader ici. Bon, plutôt une bonne opération en général pour Moscone, on va se dire ça. Donc, à voir un petit peu ce qui peut se passer. Il y a 8 hommes comme ça qui ont
pris 22 secondes aux autres. Et au général, ça nous positionne. Ah ben ça, c'est une super nouvelle. Ça nous positionne quatrième. Donc là, on est content. Il va falloir essayer de s'accrocher à ce top 5, voire à ce top 10, au matin d'une étape terrible, avec arrivée au sommet à Méribel. Enfin, au sommet, on se comprend, hein. Méribel n'est pas un sommet, c'est une station, mais en tout cas, arriver au sommet pour ce qui est du variant proposé. Et il faut essayer de résister, quoi. On se retrouve encore une fois avec des équipiers qui ne sont pas dans une forme exceptionnelle. Tiens, Romain Bardet, Valentin Madouas sont échappés, ce qui signifie qu'ils vont tenter d'aller chercher cette victoire d'étape. Le peloton leur laissera-t-il la possibilité, je l'ignore. Et nous, on essaye juste de résister, on protège un peu par-ci, on essaye d'économiser par-là. Et puis surtout, il y a un gros morceau, un grand nom du Tour de France, le col de la Madeleine, comme ça, en milieu d'étape. Donc là, on est sur du très très lourd, hein, dans cette étape 7. C'est ici, normalement, que beaucoup beaucoup de choses peuvent se décider au niveau du classement général et de la victoire finale sur ce Dauphiné. On voit qu'Ineos est assez actif. Vlasov semble en très bonne forme. Carapace n'est pas non plus ridicule. Se méfier toujours de Pogacar, cela va sans dire, ainsi que de Primoz Roglic. Bon, on va voir un petit peu ce qui va se passer, mais dans la Madeleine, ça se passe excessivement mal. J'ai tous mes équipiers qui ont complètement cédé, et j'ai même Moscon, regardez, sur la toute fin, qui n'est pas loin de céder, mais heureusement, il va basculer avec les leaders. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Il y a une descente pour se refaire, il y a encore après des tas de kilomètres pour essayer de récupérer. Tout ce qu'il fallait, c'était basculer avec ce groupe d'une grosse quarantaine de coureurs, mais avec quand même une inquiétude qui est liée à l'absence d'équipiers, hein, tout simplement, pour aider Moscon. On voit qu'ici, sur la montée de Méribel, ça se passe pas génialement bien, déjà. On a trop, trop pioché dans la barre, déjà, à ce moment-là. Et puis, on va essayer de continuer à se positionner à l'avant, parce qu'il ne s'agirait pas de devoir boucher des trous. Alors, j'oscille un petit peu entre l'effort curseur et le maintenir position. Au moment où ça continue à attaquer, ça risque de nous être fatal, en fait. Cette série d'attaques, cette série de relances, ces gros, gros leaders, ces très bons grimpeurs qui nous font mal. Qui nous font mal. Regardez, Moscon n'est pas loin de céder, le pauvre, au moment où Yates, Sharman, Jack Haig et Fausto Masnada décident d'y aller. Nous, on doit s'accrocher pour suivre les plus forts. Et c'est terminé. Voilà, au moment où Pogacar attaque, Sharman le suit, Hamilton est encore de la partie, mais nous, on va subir une grosse, grosse désillusion au sommet ici, donc dans la montée, après la montée de Méribel, on va subir une grosse désillusion puisqu'on va concéder du temps, alors qu'on voit que Pogacar s'est imposé devant Hamilton, et derrière, allez, on aimerait voir apparaître notre coureur, hein, dans ces cas-là, Mais non, il n'apparaît toujours pas. Il apparaîtra derrière les équipiers. Voilà, même derrière les équipiers de Roglic. Hein. C'est parti, ça va faire près de 2 minutes de débours sur Pogacar, bonification incluse. Et donc, ça va nous mettre au plus mal vis-à-vis de tous ces hommes intercalés entre Pogacar et Moscon, puisque on risque de sortir de manière très spectaculaire du top 4. Hein. Là, il n'y a pas de doute sur une course comme celle-ci. Sur cette étape-là, on prend excessivement cher. Jay Hindley, tiens, qui s'est placé. M'a fait plaisir de voir la victoire de Jay Hindley il y a quelques jours sur le Giro. Très, 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 très bonne nouvelle pour moi. J'aime bien le garçon. En plus, je me souviens, j'avais joué avec lui, avec DSM. Là, il commençait à être pas mal, mais il n'était pas encore au niveau où il est maintenant, mais on avait des belles progressions. C'était un coureur très très agréable à avoir. Et
On est maintenant sur l'étape finale de ce Dauphiné. Donc l'étape finale sur laquelle, vous voyez, il y a quelques grands noms hein, qui sont sortis ici. Ils sont sortis évidemment pour la victoire d'étape. Peloton qui laisse de l'avance, près de 5 minutes au moment du premier GPM, près de 5 minutes d'avance pour les échappés. On a aperçu notamment Romain Bardet ou Hugh Carsy. Et allez, nous, on ne se fait pas remarquer. De toute façon, on est relativement anonyme. Je n'ai pas vraiment de forme du jour spectaculaire. Regardez, mes équipiers sont vraiment au plus mal, certains. Donc, dire qu'on part en échappée pour essayer de faire aboutir une échappée comme ça, ouais, j'y crois même pas en fait. Parce que déjà, j'ai du mal à croire que la victoire puisse échapper à un des leaders du général, à un des hommes forts. Parce que ce genre d'étape, par expérience sur Pro Cycling Manager, elles ont tendance à voir le peloton des favoris revenir sur l'échappée, y compris sur une étape 8 comme celle-ci, parce qu'il y a trop d'enjeux encore à ce stade-là. C'est pas possible en fait. Alors que dans la réalité, on pourrait sans problème imaginer quelqu'un qui part d'un petit peu loin et qui s'impose avec finalement une course à deux échelons hein, et un relatif désintéressement des leaders. Allez, tout est encore possible au général au moment où on attaque le col du Noyer. Alors nous, ben, on est encore là. Allez, hein, on s'accroche. On s'accroche, on s'accroche. On va pas non plus se consommer. Attaque de Roglic, tiens. Roglic, suivi par Carsi, suivi par Pogacar. Également Formolo qui a l'air fort. Mais Formolo est évidemment dédié à la protection ou à l'aide de Tadej Pogacar. Ouf! Jani Moskon bascule dans le bon groupe. On a comme ça un petit regroupement ensuite. Il reste la montée vers Superdévoluy avec 4 km encore. Allez, on va essayer de s'accrocher. On s'accroche, on s'accroche. Charman semble très très fort. Roglic et Pogacar lui emboîtent le pas. Moscon essaye de s'accrocher. Ça va être très difficile. Il reste 2 km. On a presque plus de barre. En même temps, si on s'accroche pas, on est lâché, donc qu'est-ce qu'on peut bien vouloir faire ici? On va tenir peut-être sur la barre jaune. Allez, Moscone, sur la barre jaune. Il n'y a plus de barre jaune. Il n'y a plus de barre jaune. Il lâche. Et Ciccone, Yates ou Pogacar qui va s'imposer. Suspense relatif. Regardez, c'est Pogacar qui va couper la ligne là. Voilà. Juste devant Ciccone, Yates. Charman, avant que Roglic ne vienne limiter la casse. Moscone! Yes! Moscone qui fait top 10 sur cette étape. Ce qui laisse imaginer qu'on va réussir à avoir notre top 10 au général. Honnêtement, ça va faire très très plaisir, ça. Pogacar bien trop fort. Du très très grand Charman sur ce Dauphiné. Bref, ça a été difficile et plutôt animé avec aussi l'incapacité à lutter. À un certain niveau, l'incapacité à lutter avec Jenny Moscone. C'est déjà génial d'être septième. Et c'est, oui, surprise ultime. C'est Maximilian Schachmann, au gré de ses bonnes performances sur plusieurs étapes, qui va remporter le général final de ce Dauphiné. Voilà, on passe au Tour de Suisse. Tour de Suisse, donc, sans Lutsenko. Donc ça fait de la peine, on sait tous pourquoi, si on a vu ce qui s'est passé aux alentours de la 13e minute de cette vidéo, le moment où tout bascule en vérité, le moment où limite une saison bascule. Vous préparez pour un Tour de France, vous avez essayé de faire tout ce que vous pouviez, et puis à un moment donné, tout bascule, tout va être décalé. Limite, le gars sera presque pas remis en fait. Hein. On n'en sait rien hein, à ce stade-là. Hein. Ça se trouve, il sera même pas remis pour le tour. Hein. Et à ce moment-là, tout tombe à l'eau. Ça ne nous empêche pas de nous battre sur le Tour de Suisse lors du prologue. Toujours intéressant. Moi, j'adore jouer les contre-la-montre ou les prologues, y compris par équipe hein, même, parce que je trouve ça toujours intéressant de tester, pour essayer de trouver toujours ce point d'équilibre entre la surconsommation d'énergie et la sous-consommation d'énergie.
afin d'essayer d'optimiser au final la performance du coureur. Et ça, c'est un champ de recherche qui est infini en fait, hein, dans le jeu, hein. Parce que vous pouvez jouer 10 fois la même course, vous allez limite avoir des scénarios qui vont être tous différents. Donc oui, assez intéressant en fait à jouer. Donc après cette victoire brillante sur le contre-la-montre de l'étape 1, on a une deuxième étape. C'était Cavagna, hein, qui s'était imposé. Deuxième étape, attention, hein, ça c'est peut-être un peu difficile, hein, pour Simon Pechek, hein, ce genre d'étape-là. Il va falloir voir ce qu'on est capable de faire. Vous voyez, il y a une forme de circuit, en fait. On va faire 3 fois le même circuit. Et puis, comme ça, à l'issue de la toute dernière difficulté, on aura quelques kilomètres peut-être pour récupérer. Et peut-être aussi pour s'organiser vis-à-vis de notre sprint. On a des coureurs qui souffrent. On a des difficultés à se maintenir bien bien devant. L'espoir, là, moi, pour moi, au général, en l'absence de Lutsenko, l'espoir se nomme évidemment Biryukov, hein. Avec son joli maillot de champion de Russie, là, Biryukov a vraiment les moyens de faire quelque chose. Alors, est-ce que ce sera un top 10? Est-ce que ce sera pire, mieux? C'est tout l'enjeu. Hein. Moi, je suis toujours optimiste, en fait. Quand j'attaque même une course sur laquelle les mecs sont pas super préparés, je me dis qu'il y a toujours peut-être quelque chose à faire si on est attentif et opportuniste. Et donc, allez, dernière difficulté du jour, on va demander évidemment à Pechek de se caler dans. En fait, je le cale dans la roue, vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il se fasse décramponner. Donc, quitte à lui vider partiellement sa barre, je préfère encore qu'il suive Biryukov. Et puis là, il se trouve que, affaire d'opportunité, je me dis, départ de Biryukov, et il y a une victoire à aller chercher là. Il y a une victoire d'étape. Sait-on jamais? Si on arrive à la prendre, celle-là, c'est merveilleux. Mais regardez, voilà, ça va rouler beaucoup, beaucoup derrière. Et du coup, je me retrouve désorganisé. Ça, c'est assez bête, hein. Ça s'appelle gâcher les chances de son sprinter, a priori, quoique. Est-ce que c'est vraiment gâcher les chances du sprinter? Oui, elles sont gâchées parce qu'à l'arrivée, on va être un petit peu juste. Et ce n'est pas un sprinter qui va s'imposer, c'est un puncher. Puisque Mohoric, là, est vraiment en version puncher, hein, dans cette partie. D'ailleurs, tiens, peut-on donner une catégorie à Matej Mohoric? Est-ce qu'on peut dire que ce coureur est un puncher, un baroudeur, un polyvalent? Moi, je dirais un polyvalent, en fait. C'est un formidable polyvalent, Matej Mohoric. Le type de coureur avec lequel je pourrais avoir vraiment envie de jouer s'il n'y avait pas le problème de son appartenance à Bahreïn, qui n'est pas forcément le type d'équipe que j'affectionne, pour être très franc. Même si je respecte énormément les perfs des coureurs, rien n'a été établi qui puisse remettre en cause leur performance. Mais j'adore pas l'esprit du sponsoring par un état un petit peu voyou. Vous voyez, parfois ça m'arrive de me permettre de dire un petit mot à ce niveau-là quand même. Et en l'occurrence, il y aurait beaucoup, beaucoup à redire, y compris UAE. J'ai pas envie de jouer avec, quoi. Même si l'équipe est fabuleuse, mais j'ai pas, je bloque. Il y a quelque chose qui bloque. À me dire, ouais, mais Gazprom, ouais, mais j'avais commencé l'an dernier, hein. Et donc là-dessus, personne peut me le reprocher, hein. Après, c'est normal aussi quand tu as une partie qui a démarré d'avoir envie de pas tout foutre à la poubelle immédiatement, hein. De toute façon, voilà. On a bien compris que la saison ici va s'arrêter, hein, et j'aurais pas réussi à faire les 5 années que je souhaitais faire. Allez, on a un final ici peut-être favorable là pour Pechek. C'est Klimek qui est chargé de mettre Biryukov dans les bonnes conditions pour faire sprinter Pesek. Attention, moment super important ici, c'est peut-être une victoire. Yes, on la prend. Et celle-là, honnêtement. Hein, je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de victoires dans cet épisode. Bah, il y a eu celle-là. Voilà. C'est bon. On a eu notre petite victoire avec notre sprinter. Alors, c'est amusant parce que
Il n'est pas mauvais, hein. Il n'est pas mauvais. Il a des mecs qui sont globalement de son niveau en face de lui. Ça se joue à un rien. Hein, Ackermann, Matthews. Bon, on peut dire que tout ça est assez proche. Et il s'impose. Donc voilà, ça là n'était pas cadeau. Je suis très très content de la prendre. Très très bonne victoire pour Pechek. Pechek que je prévois à ce moment-là d'aligner aussi sur le Tour de France, hein. C'est comme ça que les choses sont pensées à l'avance. Essayer de mettre la meilleure équipe possible sur le Tour de France à venir. Tiens donc, voilà encore un profil intéressant. Sera-ce pour un puncher ou est-ce qu'un sprinter va réussir à tirer son épingle du jeu? Après tout, il suffit de résister à la dernière de vraie difficulté et accompagner les meilleurs au kilomètre 142, au dernier GPM. Et peut-être quelque chose peut être fait vis-à-vis de l'arrivée. Donc on ne perd pas espoir dans ces cas-là. On va vite regarder ce qui peut poser problème dans cette étape-là. Bah, ce qui peut poser problème, c'est surtout la forme du jour de Pécheik. Voilà. Pécheik à plus 3, ça passe. Pécheik à moins 1, ça passe pas forcément. Et du coup, je me dis à ce moment-là, ouais, bon allez, j'ai bien fait de pas le protéger. Il vaut mieux, tant pis, hein, on sait qu'il va sauter probablement, sauf miracle, il va sauter. Et donc, tout miser sur Biryukov peut-être, qui pourrait, en bon puncher, peut-être faire quelque chose de sympathique. Ce serait en tout cas sympa parce que ce jeune puncher russe, Biryukov, est plein plein de promesses dans cette partie. On se doute que ça peut devenir du bon, bon, bon coureur qui peut aller arriver à choper une classique un jour, en faisant encore une année, 2 années, 3 années supplémentaires, qui sait. Et tiens, Cavagna résiste encore avec son maillot de leader, hein. Et bon, bah, c'est ainsi que je vais essayer de positionner Biryukov et de prendre comme ça la roue de Cosnefroid au moment où il attaque dans la dernière descente. Après tout, si le scénario était favorable, une arrivée à 2 ou 3 pourrait nous sourire. Et là, en fait, bah, je vais attaquer trop loin, en fait, parce que je piaffe d'impatience. À ce moment-là, je piaffe complètement d'impatience. Et l'impatience, toujours mauvaise, hein, conseillère. Kwiatkowski, Hirschi, Mohoric, notamment, en avaient gardé de l'énergie et vont comme ça nous battre très très facilement. Et donc, ce sera encore un coup d'épée dans l'eau pour Biryukov. Dommage. Dommage, mais à la fois, une victoire de Kwiatkowski, moi, ça me fait toujours plaisir. C'est un coureur que j'apprécie particulièrement. Et donc, sixième place. Allez, après, c'est pas honteux d'aller prendre une petite sixième place comme ça pour un jeune coureur sur une épreuve World Tour par étape. Bonne perf. Rien de fait au général, hein. Vraiment rien de fait. On sent que ça va pas non plus jouer à étape 5. Ça va se jouer sur 6, 7, 8, hein. Je vois rien d'autre que ça. Et il va m'arriver une petite déconvenue à l'étape 5. Regardez, ça s'annonçait pas mal, non? Un joli profil. Ouais, ben faut-il encore penser à enregistrer? Je pense que de manière assez mécanique, j'ai dû réappuyer sur mon raccourci clavier. Et du coup, finalement, arrêter l'enregistrement trop vite avant la fin. Et me retrouver après avec. Ah bah tiens! Zut, bah j'ai aucune image en fait. Bon, bah Pechek s'était imposé. Voilà. Étape 5, donc, c'était pour Pechek. Deuxième victoire d'étape. Je l'ai joué. Et puis, ça s'est bien passé, mais je ne peux pas vous le montrer malheureusement. Et là, on arrive dans le final de ce Tour de Suisse. Étape 6, déjà sélective, puisqu'on se doute bien que dans la montée finale, il peut y avoir pas mal de dégâts. Et vous allez voir que la 7, bon, si vous avez reconnu le variant, de toute façon. Vous savez très bien que la 7 va être encore plus sélective. Allez, on est parti. J'aime bien ce variant d'ailleurs, soit dit en passant. On est parti. Dernière ascension du jour. Presque la seule digne de ce nom. On va essayer de se placer là encore. Est-ce que Biryukov va réussir à tenir face au Landa, Cosnefroid, etc. Même Marc Hirschi, hein? Très présent, Marc Hirschi, hein. Ayuso également. Ayuso aussi, voilà, je vous parlais de Mohoric par exemple. Quelqu'un comme Ayuso, j'aurais très très envie de jouer avec lui.
Bon, c'est comme ça. Bref, dans le final, Landa va s'imposer devant Richie Porte et Birioukov ne fera guère mieux que le malheureux porteur du maillot de leader pour la dernière fois, évidemment, Rémi Cavagna. Donc on voit petit ralenti. Landa s'était échappé sur la fin et nous on a été en perdition proche du sommet. Il n'y avait plus rien en magasin pour Kirill Biryokov. C'est bien dommage. C'est bien dommage. On se retrouve 16e. Ce sera bien bien délicat d'arriver à gagner des places. Ça me paraît limite compromis même à ce stade-là. Arriver au Saint-Gothard avec ces fameux secteurs pavés montagneux à la fin. J'avais déjà proposé ce variant il y a quelques parties, je ne sais plus exactement quand, mais j'avais adoré le jouer. C'était juste énorme à jouer. Et là, bon ben, on va essayer, profitant d'une 16e place, on va essayer de partir. Puisqu'en fait, le peloton nous a laissé un bon de sortie. Birioukov a le droit d'y aller. Donc, il y a peut-être moyen de résister très longtemps et de se retrouver. Bah finalement, avec une heureuse surprise, puisque Birioukov attaquerait la difficulté finale avec un peu d'avance, sait-on jamais. Alors l'échappée va se déliter un petit peu, vous voyez, il n'y a plus à ce stade-là que Will Barta et Didenbar pour accompagner, on va dire, Birioukov. D'ailleurs, Barta, sprint, sympa, mais je te l'aurais laissé, moi, le GPM. Hein. Bref, ok, il sprint. Ce qui fatigue toujours un petit peu. Bon, après, on s'en fout, on a la descente hein, pour récupérer en effort relativement minimaliste. Et ouais, vous voyez, derrière, c'est Movistar qui roule. Hein. Movistar fait le boulot pour Mikel Landa. Et peut se demander un petit peu qui derrière Landa peut vraiment représenter une forme de danger hein, sur ce classement général de Tour de Suisse. Bien difficile à dire à ce stade-là, mais on sera surtout repris bien avant ce que j'aurais espéré. Moi, j'aurais espéré être repris, vous voyez, vers le début des secteurs pavés, à la limite, pour faire un peu de résistance. Et attaque de Simon Kerr. Simon Kerr qui y va. Très très bonne attaque. Ça réagit pas vraiment derrière. Il reste du temps. Nous sommes foutu. Le jeune Kousmine aurait pu avoir une carte à jouer, mais bon, c'était trop difficile, beaucoup trop difficile. Derrière Simon Kerr, ça s'organise quand même, au bout d'un moment. Il n'y a plus d'équipier chez Movistar, donc c'est Mikel Landa qui doit assumer seul la chasse. Oui, pourquoi? Parce que Simon Kerr n'a que un petit peu moins de 2 minutes de retard au général, même 1,22, vous voyez. Donc Landa, il y avait vraiment le feu, hein. Soit il se bougeait, soit c'était fichu pour lui, hein. Et donc il va sur un sursaut final, limiter la casse dans cette étape-là. Et puis nous, alors, on va prendre cher de chez cher. On va sortir, mais complètement, complètement, des places intéressantes. Et Birioukov terminera bien difficilement, en fait, ce Tour de Suisse. Petite déception. On aurait dû jouer avec Lutsenko, normalement, hein. Lutsenko, je suis certain que avec juste des formes à 0 ou à 1, voire à moins 1 suivant les moments, il pouvait rivaliser avec Landa. Pour moi, c'est une certitude. De toute façon, c'est simple. Si Mohoric prend la deuxième place au général, c'est que Lutsenko pouvait le faire également. Donc, ouais, grosse déception, hein. Vraiment, cette simulation de la 13e minute au Grand Prix du canton d'Argaud aurait été le tournant absolu presque de cette saison. Et voilà, bon, il y a une petite étape encore de presque 20 km de contre-la-montre. Donc là-dessus, on va proposer encore quelques images. Pas beaucoup d'espoir, même s'il y a eu jolie perf de Marchenko. On se retrouve avec Birioukov qui fait un temps somme toute relativement moyen. Rémi Cavagna, à l'image ici, va-t-il aligner une victoire supplémentaire sur cet exercice? Attention, eh bien non, il sera battu par Oliveira, Patrick Bévin et Will Barta. Et un petit peu plus tard, alors qu'on ne se fait plus aucun doute
On n'a plus aucun doute sur la victoire dans cette étape de Oliveira. C'est ben décidément Movistar en grande grande forme hein, sur ce Tour du Suisse. C'est donc Landa qui va assurer le coup. Il va assurer largement sa victoire. Mauric deuxième, Pierre Latour enfin en forme, tant mieux. Troisième, Eber Youkof, meilleur Gazprom, 29e. On aurait eu donc du mal à exister, ouais, mais on a pris deux victoires d'étape. Donc quelque part, Pécheck nous a sauvés dans cette période-là. Deux victoires d'étape sur le Tour de Suisse, c'est exactement ce qu'on pouvait espérer. Donc très très heureux de les avoir prises. C'était seulement sa quatrième et sa cinquième victoire de la saison, hein, donc pas évident. On l'aperçoit les championnats nationaux, hockey, simulation et le Tour de France à venir. Mais surtout, est-ce que Lutsenko va être remis? C'est toute la question à ce moment-là. Lutsenko de retour, oh, vous le croyez ou pas, le matin même de l'inscription au Tour de France. Soulagement absolu. Je peux donc l'aligner avec une petite surprise en passant. 73% dans ta face. Ah là 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 là. Terrible. Terrible. 73%. Alors, ça pourrait donner envie, en fait, de le cacher là pendant 13 étapes et après de faire une dernière semaine de folie furieuse. Ça peut être encore jouable en vérité à ce stade-là, mais le timing de la saison et de la sortie du prochain PCM me donne un petit peu envie de dire plutôt adieu. Je vous avoue, j'ai commencé quand même à le jouer. Si j'ai suffisamment de choses marrantes à montrer, je les montrerai. Si j'en ai pas assez, malheureusement, on n'en parlera plus jamais. Adieu, adieu Gazprom, adieu et merci Lutsenko quand même pour cette victoire l'année précédente. Champs-Élysées, on a le maillot jaune pour un Kazakh et ce au nez à la barbe de Tadej Pogacar. Donc c'était une de mes plus belles victoires sur PCM. Et je pense que par contre, la plus jolie des dernières semaines est probablement celle-ci. Celle-ci sur la Flèche Wallonne, où le travail conjugué de Gianni Moscone et d'Alessandro Covi dans un dernier temps sur le mur de Huy nous permettent de sortir au bon moment avec Lutsenko et de gagner relativement aisément la Flèche Wallonne. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Ces petites images de victoire. Celle-ci dont j'étais très 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 heureux. Cette victoire, déjà battre Alaphilippe, c'est toujours quelque chose hein, sur le mur de Huy. Et puis en plus, la forme du jour n'était pas exceptionnelle. Donc c'est ça en plus qui est extrêmement gratifiant et qui fait encore plus plaisir. Parce que gagner à plus 5 à la limite, bon, on va se dire, ouais, t'as fait ton boulot quelque part. Mais gagner aux alentours de zéro, c'est plutôt agréable. Voilà. Donc, bye bye. Et puis, j'espère vous proposer encore peut-être une, voire deux vidéos PCM 21 avant de proposer du PCM 22. Allez, bye bye.